Bonjour chers amis d'Adotv, bienvenue dans votre émission culinaire et vivre. Aujourd'hui, direction Sénégal, de la cuisine faite par une ado. Alors, bonjour Stella. Bonjour, comment tu vas? Ça va très bien, et toi? Ça va super bien. Ok, qu'est-ce que tu me proposes pour aujourd'hui? Aujourd'hui, je vous propose un plat de yassa fait avec du poulet. Vous préférez le poisson, mais moi, je préfère le poulet. Ok. Alors, je vais te laisser le plateau et je reviens pour la dégustation. Il n'y a pas de souci. Ok. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Tout d'abord, pour réaliser notre plat de yassa, il nous faut un peu d'huile bio de préférence, un peu de sel en poudre, des feuilles de laurier pour parfumer le repas, de l'oignon coupé. On peut le couper en lune ou en cube, moi j'ai préféré en cube. Un peu de feuilles de persil, de un mélange de poivre sénégalais et de l'ail, notre poulet, un peu de moutarde et à la fin notre riz. Donc là on peut commencer. On commence par mettre nos oignons dans un bol, un peu large de préférence vu qu'on va mélanger le tout. On ajoute notre mélange de poivre et de l'ail. On fait bien, on mélange bien pour que tout puisse bien se mélanger. On ajoute notre moutarde de Dijon. Que la moutarde puisse prendre tous les oignons. On ajoute un peu de laurier juste avant de ça. On va mettre sel. On va chauffer l'huile dans j'utilise l'huile que j'ai pris pour griller le poulet. Ça apporte à la sauce le goût du poulet. Donc juste un peu. L'huile égale. On laisse chauffer quelques minutes. Soit bien chaud avant d'ajouter la mélange. Je crois que c'est bon. Est-ce que notre mélange est bien pour toi? On attend 10 minutes pour que l'oignon soit bien cuit.
Donc maintenant notre oignon est prêt. On peut ajouter notre poulet. Toujours prendre avec un torchon, s'il vous plaît. Pour que nous voulons ça. Voilà. Belle odeur. Je suis fière de moi. On commence. Juste pour les coriandre. Et je crois que c'est bon. Donc notre plat de yassa au riz blanc avec du poulet comme accompagnement est prêt. Donc c'est un plat du Sénégal, un plat de chez moi. Vous voulez connaître d'autres recettes du Sénégal, restez scotchés sur ADTV, la chaîne des ados. Voilà, Dorothée, c'est prêt. Waouh, quel beau plat! Est-ce que je peux déguster? Fais-toi plaisir. Ok. Et voilà, je coupe les oignons en deux parties. C'est très délicieux ça. Je t'ai oublié, hein? On dit au revoir, on se revoit dans un prochain numéro de Ellie. Bye bye. Bye.